Salut la compagnie, bienvenue à tous sur Caro Gaming. On se retrouve ensemble pour la suite du tournoi Tekken Tag 2 en équipe sur cette phase 2 pour la discipline contre la montre. Et la dernière fois nous avions réussi, bah pour l'instant c'est simple, toutes les équipes ont réussi à faire mieux que leur phase 1. Alors même si la team Raven Jinpachi est passée deux fois, la deuxième ça n'a pas marché, mais le premier temps a été retenu bien entendu. Donc c'est quand même un sans faute. Et la dernière fois nous avons fait passer donc deux teams qui ont fini, qui étaient déjà dans un mouchoir de poche avant en bas du classement et qui se retrouvent de nouveau dans un mouchoir de poche, mais plutôt dans la partie haute du classement. Aujourd'hui nous commençons l'épisode avec la demande du 51e mondial qui a choisi ce contre la montre, 51e donc toujours sur 83 de ce classement Intertekken, et il a terminé dans cette discipline 24e sur 30. C'est donc quand même un bas de tableau. De toute façon, ceux qui demandent des départages, c'est forcément des bas de tableau, enfin des repêches plutôt. Et il s'agit de Violet. Violet qui est donc en équipe avec le Jaguar Andy. Et je le prends toujours en sa combi noire, je trouve que ça change, je trouve que ça lui va super bien. Et donc, Violet King, 24e sur 30, comme je disais, et qui avait réalisé 9 minutes, 21 secondes et 0,1 centième. King, 42e mondial, qui est donc le favori de la team, hein, et qui se fait un petit tour gratuit. Allez, c'est parti. En espérant que ça se passe bien pour ces deux-là. Oh, je pensais que j'allais toucher Ganryu, mais non. Bien, allez, c'est parti pour King. Ça suffit maintenant, hein. Ok, très bien. Ça se passe mieux du côté de King. Pour le contre-la-montre, faites voir en solo les classements. J'ai tout ici, de toute façon. King est là. Ok. Alors Paul, j'ai pas vu l'autre. Trop omnibulé par les résultats de la phase 1. Face à Lei, ok. Oh non. Fais chier ce coup là. Allez, casse-toi. Oh non, il est toujours pas mort. J'hallucine. Pour le tout petit bout de vie là. J'étais persuadé que c'était bon. Non, trop tôt. Enfin, trop tard même. Ok, c'est bon, c'est plié. King a fait le boulot. Et Violet qui en profite. Allez, on continue pour le combat suivant. Face à Armor King et Bake. Allez, c'est parti. Oh, dommage, j'ai testé, je me suis dit, ça peut peut-être marcher. Parce que j'étais persuadé que Armor King allait laisser sa place, et que j'avais donc du temps pour charger mon coup. C'était à tenter, c'était à tenter.
Allez, King qui a envie d'affronter son maître. Bon, c'est pas loin. Ah, oh, ils font chier avec leur, leur roulade sur le côté, là, c'est insupportable, ça. Non. Joli coup de violet qui allait subir le l'attaque chargée de Armor King. C'est pas passé loin. Mais grâce à la rapidité de violet, ça passe. Allez, bah du coup, violet continue sur le ring. Alors que Miharu nous livre quand même une bonne prestation. Ça va, oui. Il s'est pris pour qui, le broussinou, là? Mais enfin... Oh, dommage. Bon, alors là, par contre, je comprends pas pourquoi il est pas passé ce coup-là. Faut qu'on m'explique. Oh. Bien. King a remis les pendules à l'heure sur ce combat. Pas déconner non plus. Allez, Kazuya et Marduk seront les adversaires de Violet King. C'est plutôt un duo bien choisi, je trouve. Alors, Kazuya qui est resté par terre, très malin. Heureusement que j'ai regardé les barres de vie parce que j'étais parti pour terminer avec Violet, moi. Allez, 4 minutes 05. C'est pas un grand... C'est pas un excellent temps, je dois dire. J'avoue que la team de Miharu m'a bien fait galérer. Par contre, Violet a géré sur ce deuxième round sans problème. Allez, niveau 6 face à Michel et Bob. Ah. Voilà. Round 1. Viens, je t'attends. Bon, ok. Je t'embête plus, Michel, c'est bon. Pas de soucis. Ça a mal débuté entre nous. Mais par contre, Violet a super bien géré, finalement, ce combat, enfin ce round. Il n'a pas cédé à la pression. Bon allez, tu m'énerves. Ok, nickel.
Fallait que King remette les pendules à l'heure, les amis. Très bien, allez, les papis. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Je me rappelle, lors de la phase 1, je cherchais toujours un champ lexical des papis. À chaque fois qu'on les affrontait. Et on va mettre King. Ouh la vache. Ouh, il est énervé. J'ai énervé grand papy Mishima. Je crois qu'il a pas aimé que je l'appelle papy. Bien joué de la part de Lee, qui sur un élan de rapidité détruit. Oh dommage. Ouh la vache. Non, il a pas profité. Vite, faut changer. Vache. Waouh, c'était chaud, hein. C'était très très chaud pour lui. Si j'ai bien cru lorsque le plancher s'est effondré, que ça allait être foutu. Mais fort heureusement, il a survécu. Non, c'est pas du tout ce coup-là que je vais faire. Ça bloque pas mal du côté de Ogre, déjà que c'est un sac à PV. Ok, c'est bon. Pour le round 1, 6-50, les trois premiers ont déjà terminé depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Ok, bah alors Trouagre s'est beaucoup protégé, mais alors King a déroulé son jeu assez magistralement, je dois dire. Et donc, c'est un round final, enfin un combat final, de nouveau évidemment, face à Jun. Et 7 minutes 21, les 4 premiers ont terminé leur contre-la-montre. Oh. Jolie rentrée de King en tout cas. Ouh. Et le coup de poignet aura suffi pour mettre un terme à Jun, mais il y en a une qui est en train de se venger là. Mais non, ça bloque, ça bloque. Oh là 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 là. Elle est sur les chapeaux de roue, Unknown. Oui. Oh, c'était chaud pour Violet. C'était très très chaud. Mais il parvient quand même à se dégager du courroux de Unknown.
Et la team finit donc à 8 minutes 50 secondes. Où est-ce qu'ils sont? Je les vois plus, ils sont là. Donc c'est quand même une progression, hein, mine de rien. 8 minutes 50, alors ils ne gagnent qu'une seule place. Mais c'est toujours une progression. 8 minutes 50 secondes et 48 centièmes. Voilà, enfin, ils gagnent une place. Sachant qu'il y a deux équipes qui sont passées devant eux. Donc ils en perdent deux et ils en gagnent une. Ce qui fait qu'il y a quand même une perte d'une place au final. Ce qui n'est donc pas très rentable pour la team qui a perdu énormément de temps face à Miharu et Bruce. Hein, du coup, c'est vraiment été la team qui nous aurait fait perdre le plus de temps. Et puis évidemment aussi le round face à un Knaun nous aura bien impacté. Allez, on continue avec la team suivante qui est composée du numéro. Où est-ce qu'il est ce petit? Il est là. Numéro 48e mondial, la tête série numéro 48, qui a demandé donc de repasser cette épreuve du contre-la-montre. Et il se trouve qu'il est en équipe avec, je ne sais pas, je ne le vois pas sur ma feuille. Alors, où tu es, mon bon? Tu es là, tu es en équipe avec un autre qui est classé avant, qui est classé avant lui. C'est le bordel. Il est classé 37e, son binôme, qui n'a rien demandé. C'est pourtant lui le premier de la team. C'est Sergei Dragunov. Et donc, le demandeur de cette épreuve, c'est Mokujin. Donc, la team Dragunov-Mokujin, classée 26e sur 30 dans cette discipline du contre-la-montre en équipe, et pour lequel ils avaient réalisé un score de 10 minutes, 29 secondes et 70 centièmes. Le silence de mort. Face à Steve et Alyssa. Round 1. Alors, on connaît tous l'appétence de Dragunov pour le contre-la-montre, hein. C'est pas du tout son truc. Lui, c'est plutôt la survie. Et malheureusement, son binôme est trop arbitraire pour pouvoir prétendre à la victoire. Alors ce sera avec les attaques de Xiaoyu Mokujin. Tiens. Oui. Ça passe. Et c'est Mokujin qui donne la victoire sur ce premier combat. Et ce sera face à Devil Jin et Anna Williams. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre Mokujin en premier, histoire de voir. Alors c'est Marduk. Ouais, alors ça m'arrange pas plus que ça. On peut sélectionner, donc. Comment ça se fait qu'elle est pas morte, Anna? Voilà. Alors, eh ben justement, c'est face à Anna Williams. Enfin, c'est les attaques de Anna. On va remettre Dragunov. Qui met à plat Anna Williams, et alors que Devil Jin était aussi sur le point de perdre également. Donc, on continue les amis, on continue cette ascension. You look like fun.
Alors. Puis j'ai les attaques de Kunimitsu. Alors sur lequel j'ai son coup sauté, je maîtrise. Mais alors par contre, le reste... Alors désolé pour cette entrée, Dragunov. Alors, les attaques de Feng Wei. Bon, pour l'instant, c'est pas les meilleurs choix que me propose Mokujin. Qu'est-ce qu'il tape, Dragunov? Il retient pas ses coups, le russe, hein. Et c'est une victoire par soumission que nous fait Dragunov. C'est assez intéressant pour l'instant ce qui se passe. C'est très plaisant. Alors, c'est encore les attaques de Marduk. Ça m'arrange pas du tout. Oh, c'est bien joué de la part de Dragunov. Et bah c'est les attaques de Miguel, si je crois. Oui, c'est ça. Hein. Non, non, je dis des conneries. Attends, c'est Bob, pardon. Oui, oui, oui. Très bon choix. Très bon choix de la part de Mokujin. Qui a pu laisser se poser Sergei Dragunov. Et nous sommes en piste pour le combat suivant, composé de Xiao Yu et Prototype Jack. Alors... C'est encore les... Ah non, c'est Heihachi. Non, c'est pas Heihachi. Si, c'est Heihachi. Alors là, par contre, j'ai pris trop cher. Ouais, Prototype Jack, il cogne. Très bien. Qu'est-ce que j'ai là? C'est l'attaque de Paul. J'ai préféré changer parce que ça commençait quand même à être dangereux. Ok, Dragunov qui fait le boulot correctement et qui s'en termine avec Ling Xiaoyu. On continue face à Marshall Lao et Jin Kazama pour ce stage numéro 6. Et je n'ai pas fait le point sur le chrono, les amis. 4.41, c'est pas ouf. Et alors qu'on a de nouveau les attaques de Ling. Ah non.
Alors il m'a pas touché, mais je sais pas, il m'a immobilisé. Alors qu'il a mis du temps à remonter d'ailleurs. Allez, nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Steve Fox. Oh, vu qu'il a fait son... sa roulette en l'air, mais avec les jambes repliées, je pensais qu'il allait avoir un coup supplémentaire, mais non. Et c'est parfait pour Mokujin, qui fait passer son équipe au stage 7 face aux anciens. Et pareil, on va encore tâter de la de l'attaque de Mokujin. C'est un risque à prendre, mais c'est un risque qu'il faut prendre quand même. Alors c'est Kunimitsu. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quitte à choisir. J'ai pris cher. J'ai pris extrêmement cher. Très bien. C'est quand même Mokujin qui finit le combat. Et j'ai les attaques de Lars Alexanderson cette fois-ci. Oh non! Très bien. Bien sur la défensive pour la fin, mais ça passe. Allez, en piste face à Trouogre pour le stage numéro 8. Et on va voir ce que ça va donner. Et j'ai encore Xiaoyu, mais c'est pas vrai! La kiffe, c'est pas possible. Ah non. L'immobilisation ne fonctionnera pas. Et on va essayer Sergei. Oh, dommage que le coup de pied ne passe pas. Préférer finir avec Xiaoyu, oui. Mokujin avec les attaques de Xiaoyu. Ça y est. Je le tiens. Une fois que j'ai pu le projeter en arrière, c'était gagné. Allez, il en reste une. Jun Kazama, évidemment. Et on a hâte de voir ce que ça va donner avec les attaques de Kuma ou Panda. Oui, bien joué de la part de Dragunov. Qui met par terre son adversaire. Et c'est les attaques de JC. Qui est cette fois-ci mise en avant.
Ouh. Ah vache, elle m'a laissé aucune chance sur ce round. Alors j'ai les attaques de Paul. Oh la vache, j'ai été trop gourmand. J'ai été beaucoup trop gourmand. Et donc, c'est un échec pour la team Dragunov. Mokujin, il en fallait bien un. Et c'est arrivé. Alors, c'est pas encore fini pour autant. Mais ouais, j'ai été trop gourmand là sur ce round. J'aurais dû changer pour Dragunov. Avec les attaques de Raven cette fois-ci. Oh là 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 là, elle tape fort, elle. Oh putain, je peux pas en placer une. Hein. Je passe en dessous en plus. C'est bon. C'était chaud, mais c'est bon. Alors... avec les attaques de Lao. Alors de Marshall. Oulala, mais je prends cher. Ça y est, je passe les 10 minutes de jeu. Ouh là là, alors qu'elle allait me faire un coup qui était destiné à mon dos, hein, c'était juste derrière moi, et ça allait faire très mal. Alors c'est une amélioration quand même, 10 minutes 13 secondes et 75 centièmes, mais malheureusement ça ne changera pas du tout la physionomie de ce classement qui restera tel quel pour les deux, pas de place gagnée. Pour ce binôme, et toujours deux places de perdu avec la team Raven Jinpachi et Xiaoyu Michel qui sont passés devant eux. Voilà, c'est sur cette mini victoire que s'achève ce contre-la-montre. Voilà, hein, j'ai perdu 39 secondes au round 2 plus la première partie du round 1 de du deuxième combat, hein, je sais pas trop combien ça représente, mais ouais, j'aurais pu faire beaucoup mieux si je n'avais pas perdu ce combat bêtement face à Unknown, où je n'ai pas changé de place et que j'ai pas laissé rentrer Dragunov. C'est comme ça les amis. Bon, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, et nous retrouvons donc la prochaine fois pour la suite de ce tournoi Tekken Tag 2 en contre-la-montre pour cette phase 2 en équipe. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien. Ciao, ciao.